Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour Undertale, épisode 15. On s'était laissé devant nos amis, les gardes royaux et le vendeur de glace dans les Outlands. Et nous sommes donc partis pour continuer. Ah oui, mais j'étais déjà venu ici, non? Tu tues une mono? Oui, it's Flamesman. Quoi? Tu te souviens? Comment je peux être vaincu si facilement? Moi j'ai cru qu'il fallait le redire. Je me souviendrai toujours que tu t'en es souvenu. Ok. Je pensais que ça serait pour une question de métaton, mais non. Ok, donc j'espère que vous allez bien, vous, en tout cas. Moi ça va. Un petit peu fatigué, mais Osef. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hey. Va dans l'allée flippante à droite pour de bons deals. Ça pue un peu. Il y en a une à gauche? Il y a un truc à gauche. J'ai entendu que t'allais au noyau. Est-ce que tu voulais dîner avec moi d'abord? Ouais, j'irai dans l'allée après. Ah, super! Pas là, je connais un raccourci. On va aller au Grillbiz. Ah non, pas du tout. Eh bien, nous y voilà. Alors, ton aventure est presque finie, pas vrai? Ah bon? On est déjà presque à la fin? Tu dois vraiment vouloir retourner à la maison. Eh, je connais ce sentiment, mec. Mais peut-être que des fois c'est mieux de prendre ce qui t'est donné. Enfin, ce que tu as déjà. Là en bas, tu as déjà de la nourriture, des boissons, des amis. Ce que tu dois faire, est-ce que c'est vraiment worth? Enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oh, la petite musique, quoi. Ah, oublie ça. Je me demande ce qu'il veut dire par là, parce que... Putain, je sais pas, parce que... Qu'est-ce qu'on apporte à la vie ici en bas qui pourrait l'intéresser lui? Enfin, je sais pas. Laisse-moi raconter l'histoire. Alors, je suis un garde dans la forêt de Snowdin, pas vrai? Je m'assois là et je regarde... je surveille s'il y a des humains. C'est un peu chiant. J'ai de la chance, parce que profondément dans la forêt, il y a une énorme porte fermée. Oui, c'est celle qu'on avait trouvée. Vous vous souvenez que je pensais que c'était un truc light game, là. C'est parfait pour s'entraîner aux blagues de Toc Toc qui est là. Alors un jour, j'ai frappé, comme d'habitude. J'ai frappé la porte et j'ai dit Toc Toc. Et soudain, de l'autre côté, j'ai entendu la voix d'une femme. Qui est là? Alors, naturellement, j'ai répondu. Dishes, la vaisselle. Vaisselle qui? Dishes, a very bad joke. Alors, c'est vraiment une mauvaise blague, ouais, ok. Alors ensuite, elle a éclaté de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle avait entendue depuis des années. Alors j'ai continué de raconter des blagues. Et elle a continué de rire. Elle est le meilleur public que j'ai jamais eu. Et ensuite, après une dizaine de blagues, elle a tapé et elle a dit... Toc toc! Alors j'ai dit, qui est là? Vieille femme! Vieille femme qui? Oh! Ah, je ne savais pas que tu étais un yodel! Ouais, alors c'était... Oh, c'était Old Lady! Le yodel, c'est les... Old Lady! Vous savez, les bavarois qui chantent dans la montagne en costume terrible. Wow. En tout cas, tout ça pour dire que cette femme était vraiment bonne pour raconter des blagues. Alors on n'a pas arrêté de se raconter des blagues pendant des heures. Finalement, je devais partir. Papyrus est un peu à cheval sur ses histoires avant de dormir. Mais elle m'a dit de revenir
revenir plus tard. Alors je suis revenu. Et je suis revenu. Et encore. Et encore. C'est un rituel que j'ai maintenant. À compter des mauvaises blagues à travers une porte. C'est la règle. Ok. Jour seulement. J'ai réalisé qu'elle ne rigolait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Si un humain vient à travers cette porte, est-ce que tu pourras, s'il te plaît, me promettre quelque chose? Surveille-le et protège-le, s'il te plaît. Maintenant, je déteste... Je déteste faire des promesses. Et cette femme... Je ne connais même pas son nom. Mais... Quelqu'un qui aime sincèrement les mauvaises blagues... a une intégrité à laquelle tu ne peux pas dire non. Je vois, donc c'est pour ça que je dois rester ici. Tu comprends ce que je veux dire? Cette promesse que je lui ai faite. C'est ce qui serait arrivé si je ne lui avais rien dit. Mon pote. Tu serais mort. Là où tu es. Wow! Ah ouais, si je lui avais pas promis de te surveiller, tu serais déjà mort. Wow, ok. Hey. Tu vas bien, mec? Je blague juste. Oh, je suis pas sûr, moi. La fois où on l'a rencontré la première fois, ça se trouve, et... Ouais, je suis pas sûr, hein. Cependant, est-ce que j'ai pas fait un bon job à te protéger jusqu'à maintenant? Je veux dire, regarde-toi. T'es toujours pas mort une seule fois? Ouais, si, quand même. Hey. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce que on peut comprendre du coup? J'ai pas raison. Eh bien, c'est tout. Prends soin de toi, fiston. Parce que quelqu'un a vraiment... quelqu'un... s'inquiète vraiment pour toi. Ok, c'était intéressant. Je vais me balader un peu dans le resto. C'est un Wall of Fame, plein de citations et de photos de célébrités qui ont visité. La bouffe est à mourir. Mon visage a l'air tellement bon. Elles sont toutes de mes tâtons, évidemment. C'est un platon de Ficusis. Ok. C'est un TV show avec mes tâtons. Quand je suis venu, j'ai réalisé que j'ai oublié de faire une réservation. Mais je ne voulais pas avoir l'air débraillé. Alors j'ai continué de marcher. Maintenant je suis juste... en train de manger cette plante. D'accord. La tristesse de ta vie. Wow! D'habitude, on creuse des labyrinthes avec des personnes, des animes pour... défaire les attaques humaines. Mais maintenant, construire ces choses est un peu... nous confusionne un peu. C'est une drôle de tradition. Tu peux aller... de deux pas sans... Tu ne peux pas faire deux pas sans te retrouver dans un labyrinthe. C'est une tristesse. Ah, il a un petit bonnet de... Un petit casque de... Je travaille au noyau. À l'intérieur, c'est un labyrinthe fait de parties échangeables. Ça veut dire que tu peux changer le... Le comment? L'agencement, comme tu veux. Mec, c'était un jour rigolo aujourd'hui. J'adore les énigmes. Ah, Snowdrake. Je suis vraiment un comédien, vraiment drôle. Les gens rigolent à mes blagues. Maintenant, mon ami... mon fils, il veut être comédien aussi, comme son père. Ah, bon, on l'a croisé, quand il disait « Mon père avait tort et tout !» Mais ses blagues sont pas vraiment drôles. Il donne juste des trucs terribles. C'est un embarras... Il embarrasse toute la famille. C'est pas drôle. Depuis que sa mère est morte, il n'a pas pu tenir le fait de rester à la maison davantage. Alors il a fui. Je l'ai pas revu depuis. Je suis un père terrible. C'est pas drôle. Oh, c'est tellement triste.
Tu dois réserver une table pour manger ici. Je pensais que c'était une peinture. Tu dois aussi réserver ta chaise, ton argenterie, ta nourriture, ta... Ok. Je viens de manger, donc je m'en branle. Wouh! C'est la MTT Resort? Bienvenue à la MTT Resort, le plus grand appartement de Outland. Si tu es là pour vivre ou pour une nuit, la MTT Resort est un bon endroit pour rester. Tu ne fais que passer? Génial! La MTT Resort... La fierté du MTT Resort se cache aussi dans le fait de juste passer. Ah, la fontaine, je l'ai pas vue, mais elle arrose le sol. L'atmosphère relaxante de cet hôtel, ça vous remplit de détermination. Je l'ai pas vu. Il y a une inscription sur cette fontaine. Le mémorial royal construit en 2016. Mes tâtons ont été ajoutés la semaine dernière. Yo, vous avez vu comme j'arrose? Bon alors, allons voir les grandes îles. Oh, c'est génial! Hé, hey, salut, salut! Check! Énorme! 17 HP, de la junk food, ça coûte cher. Pistolet vide. Les armes ne sont pas dedans, ok. Plus 1 de défense. Plus d'attaque quand tu le portes, mais j'ai pas besoin. À 12 défense, c'est plus 1 de ce que j'ai déjà. Ça va! Une clé mystérieuse, probablement pour la porte de quelqu'un, lol. Ah. Ouais, mais c'est 600 gold quand même. Merci, mais... on n'a pas besoin de grand chose. Ah. Est-ce que tu peux nous avoir des clam burgers? On n'a pas vraiment besoin de grand chose. Attends! Je paierai 1000 gold si tu as l'autographe de mes tâtons sur mon cul. Wow. Comment allez-vous, vous deux? Je suis Cathy, je suis Bratty. C'est ma best... C'est mon ami. C'est ma meilleure amie, ok. Oh. Ok. Intérieur, c'est hyper cher. Oui, mais... Ce stuff qu'on a trouvé, c'est... complètement cheap. Tu devrais... Acheter tout, n'est-ce pas? Elles sont tellement synchronisées. C'est quoi, votre origine? Je veux dire, en fait... Qui d'autre a des flingues ou de la nourriture? On a trouvé ça dans les poubelles! Oh. Ah, c'est de la bonne poubelle, vraiment, oui, vraiment! L'origine des poubelles. Où est-ce qu'on a trouvé les poubelles? Eh bien... Dans le magasin de poubelles, Dans la fontaine, principalement. Dans un... Ah oui, dans le dépôt de la fontaine, oui, oui, on s'en souvient. Ok, mes tâtons. Oh mon dieu, mes tâtons. Il est comme un robot mari, mon robot mari. Je pense que on est déjà mariés à lui. Il est vraiment trop... Non, c'est juste qu'il ne le sait pas encore. Ok. En fait, mes tâtons, le docteur Alphys a construit mes tâtons. Enfin, c'est ce qu'il vous raconte. Mais en fait, mes tâtons agit tout le monde comme... avoir été construit était son idée, en fait. Et même après avoir été construit, il a agi comme si Alphys était un vieil ami. Une vieille amie. Mais ils ne sont plus amis du tout. Ouais, comme moi et Bratty. Meilleur ami pour toujours. Mais tâton est vieux. Oh mon dieu, mais tâton. Mais non. Ok. C'est mystérieux. Alphys. Oh mon dieu, Alphys. Elle vivait dans la rue. C'était comme une grande sœur. Je veux dire, elle était notre grande sœur. Elle vous emmenait faire des voyages dans la décharge. Elle les a montré les meilleurs endroits pour trouver des déchets. Elle collectionnait toujours ses vieux mangas. Ensuite, elle est devenue la scientifique royale. Et on l'a pas revue depuis longtemps. Ouais, moi je sais où elle est. Alors Alphys a toujours aimé... même si Asgore est super mignon. Alors en fait, je suis presque sûr qu'elle... a fait mes tâtons pour l'impressionner. Un robot avec une âme. C'est... super incroyable. Ah, il a une âme quand même, mes tâtons.
Alors après avoir vu mes tâtons, Asgore, il lui a demandé de faire des trucs scientifiques pour elle. Mais n'importe... Mais personne... n'a rien vu d'elle depuis. Ou elle du tout. Elle doit juste rester dans son laboratoire tous les jours. Comme... Vivre un peu... Ouais. Comme nous, quoi. Ok. Parlez-moi d'Asgore. Oh mon dieu, il est... C'est incroyable. Il est tellement doux. Comme... J'adore ce mec. Il est tellement gentil. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent qu'ils sont gentils, qu'il est gentil, Asgore. Et il y a genre Ondine qui nous a dit « Aucun humain n'a jamais passé Asgore et tu vas devoir le combattre, c'est ton destin, machin. » Et il y avait Toriel qui disait ça aussi, c'est que tous les humains qui étaient venus ici, jusqu'à maintenant, avaient été tués par soit des gens, soit par Asgore. Et tout le monde dit qu'il est trop gentil, Papyrus, tout ça. Donc je me demande si c'est... Soit tout le monde me ment, parce que je suis un humain, et c'est genre « Va le voir !» et « Va te faire buter !» ce qui m'étonnerait. Soit c'est juste le peuple qui est super fan de Asgore parce qu'il est super gentil avec les monstres, mais dans l'ombre, il agit dans le bien de son peuple, justement, et il fait genre, il raccompagne les humains, tout ça, mais en fait, tous les humains, jusqu'à maintenant, il les a tués. Et Ondine serait au courant, parce qu'elle est la tête de sa garde royale et son amie d'enfance, donc du coup, elle le saurait, tout ça. Elle saurait qu'en fait, il est pas gentil du tout, et comme le peuple le croit et nous le raconte, et Toriel aussi, Toriel le sait qu'il est pas gentil, enfin, avec les humains, donc c'est-à-dire que Toriel est plus ou moins proche d'Asgore. Parce que Toriel, on sait pas trop son rôle dans tout ça, au final. Donc, ouais. Je pense qu'il y a de ça. Nous verrons bien. Donc, à mon avis, il est pas si gentil que ça. Oh, peut-être envers les monstres, mais pas envers nous, en tout cas. Oh, mon dieu. On est comme... Tellement hypé pour la destruction de l'humanité, bah tiens. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, en fait, voilà. J'ai peut-être raison. À plus, ouais. Est-ce que j'ai bouffé? Oui, oh, bah, je suis plein de bisiques, là. On se casse. Et de l'autre côté, c'est le restaurant? Oh, y a plus de son d'un coup, c'est terrible. Ok, y a un mur, je l'avais pas vu. Bah allons à MTT Resort. Ça va être fun. Ok, on va sauvegarder. Donc à gauche, c'était le restaurant. On va aller à droite. Oh, bordel de merde! C'était notre ascenseur. Va juste à la capitale, mais il ne marche pas. L'hôtel fait de son mieux pour sauver tous ceux qui sont bloqués. Oh, je ne vais pas rentrer chez moi. Je pense qu'il y a de la... Il y a de la pizza froide dans mon trésor que tu peux réchauffer. Ok, ton trésor, hein. Ah non, j'avais pas vu le téléphone, il parle à sa femme. En tant que slime, je suis outragé. Ok, alors là, il y a un restaurant. Sa tête est une main! Oui, on sait, l'ascenseur ne marche pas. Parce qu'à cause de cet incident, les salles. Ah, oh, c'est la musique de Bétaton quand on faisait la musique? Les salles sont occupées. 200 gold de la room. Oh non! Laisse-nous savoir si tu as changé d'avis. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai envie d'aller voir là, moi. Wow! Oh, room service! Vous avez monté de l'eau... Thé de mer? Ah ouais, on pouvait acheter ça. Non, j'en ai pas. Eh bien... Hein, ah, faut peut-être que je vais en acheter. Oh putain, un slime qui nettoie. Oh, room service! Vous avez mon cinéma... Oh putain! Eh bien... Ah, il doit donner des trucs en échange, mais j'ai la flemme de faire mes tours. On dirait que vous pouvez mettre quelque chose sous la porte. Ouais... Mais vous n'avez rien à mettre. Ok, donc là il me faut des objets clés. Il a l'air occupé à nettoyer son propre corps. Ok. D'accord, donc là je sais où avoir les trucs. J'en reviendrai peut-être. Nous verrons. Donc ça c'est le restaurant. Oh, salut. Bienvenue à l'Empire du Burger de MTT. Maison du Glamburger. Ok. Ah, ça aurait été... Waouh, 40 HP. Steak dans la forme de la tête de mes tâtons. Ne demandez pas, s'il vous plaît. Glamburger. Elles en voulaient un, les autres, là. Est-ce que je l'achète?
C'est 120 gold quand même. Après, on m'a dit, on m'a donné une méthode. Merci. On m'a donné. Il fait trop peur. Oh waouh, il fait tellement peur. On m'a donné une astuce pour gagner, farmer des sous au village Timmy, donc je le ferai. Pourquoi t'essaies de me parler? Je vais avoir des problèmes si je parle avec les clients. Désolé. Oh. Ah. Alors je voulais être un acteur. Il voulait totalement parler en fait. Allez, raconte-moi ta vie. Ouais, alors, ça fait des années. Tu pourrais te donner quelques astuces, petit. Tu as encore du temps, mais... Ne vis pas comme moi. J'ai 19 ans et j'ai déjà gâché ma vie entière. Ok. Écoute, je t'aime bien, petit. Mon dieu. Alors, je vais te sauver beaucoup de problèmes. N'interagis jamais avec les gens attirants. Sauf si tu es un de ceux-là. Et ils vont juste prendre avantage de toi. Comme cette fois où deux filles m'ont demandé de leur passer des glamburgers. Et ensuite, naïf adolescent que j'étais, j'ai dit oui. Mauvaise idée. Et c'est quoi l'histoire des glamburgers? Alors ouais, je suis allé dans l'allée pour voir ces deux filles. Et tu sais, ce qui s'est passé après. Ensuite, mon boss, il m'a vu et il m'a demandé ce que je faisais. J'avais tellement peur, les hamburgers dans ma poche sont tombés du sol au sol. Je ne voulais pas perdre la face, alors je suis tombé pour les ramasser. Mais alors que j'étais par-dessus, le poids des hamburgers restants a fait que mon pantalon est tombé. Et les filles se sont moquées de moi. Tout le monde m'appelle Burger Pants maintenant. Ou bah bon, là c'est toi qui es con, je veux pas dire. La première fois que je suis venu au Outland, c'était mon rêve de travailler avec mes tatons. Ensuite, fais gaffe avec ce que tu souhaites, mon petit. Pourquoi mes tatons sont méchants, même si on le sait très bien? Est-ce que t'as déjà regardé? Cet endroit est un labyrinthe de mauvais choix. À chaque fois que j'essaie de changer quelque chose pour le mieux, il vient et il dit « C'est pas comme ça que... » qu'on le fait à la surface. Ouais. Les humains sont vraiment... mangent toujours des hamburgers... faits de quoi et de colle. Pourquoi Métaton est aussi méchant? Pourquoi les gens le trouvent si attirant? Je veux dire, c'est juste un putain de rectangle. Vous savez, un jour, j'ai acheté un de ces trucs kit online pour... vous rendre plus rectangulaire. Il ne marche pas. D'accord. Ton futur, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Le futur? Quel futur? Rien là-bas, rien en bas ne change. Je vais probablement être bloqué avec ce job idiot toute ma vie. Mais attends, il y a un truc qui me fait garder la banane. Si Asgore gagne encore une seule âme, on pourra retourner à la surface et je serai dans un nouveau monde. Il y aura une nouvelle chance là-bas pour moi. Pour tout le monde. Et alors reste fort, petit. Quand je ferai un gros coup, je te garderai dans ma... en tête. Ok. A plus, petit. Comme il se la pète. Ok. Je vais juste apporter le burger au nana. Voyons voir. Hop. Oh mon dieu. Est-ce que c'est un glam burger? Oh mon dieu. Donne-moi. Essaye d'avoir un peu de self-control, Cathy. Oh, désolé. Parce qu'il l'a vraiment... Il l'a évidemment apporté pour moi. C'est hors de question. Ah, mais ça change quoi? Ah, d'accord. On peut pas le vendre. Ou alors en parlant. Ah oui, Burger Pants. Ah oui, d'accord. Ah, je... Oh. Ce mec du magasin, ouais. Il était chelou. Ouais, trop flippant. Mais il était un peu mignon, aussi. Allez, Cathy. Tu n'as aucun standard? Non. Ok. Ok, alors... La chose en lieu, c'est... Mais ça serait bien s'il nous traitait juste avec un peu plus de respect. Oui, mais s'il agit vraiment bizarrement. Et il agit comme si c'était notre faute. En fait, on lui a demandé d'avoir ses glamburgers. Il les a fait tomber, il a couru avant même qu'on puisse dire quelque chose. On était...
on allait les partager avec lui. Vraiment? Pas moi. Oh, Cathy! Ok. Ah, les femmes, achetons. Bon, on peut pas vendre les Glamburgers, donc j'ai un truc qui me rend 45 d'HP, alors j'en ai que 20. C'est bien. Ça serait bien si ça overhealait. Mais bon, c'est pas grave. Avançons. Le corps. Waouh. Ok. Ah, il y avait des personnes. Qui était-ce? Personne ne supposait être là. Oh, eh bien, on peut pas s'inquiéter de ça maintenant. Allô, noyau. Oui. Oh mon dieu. Ok. Es-tu prêt? On y est. Prends l'ascenseur pour aller au sommet du noyau. Ok, y'a rien d'autre là? Eh, pourquoi tu n'essaies pas d'utiliser l'ascenseur là-bas? Attention! Wow, Magic fais sortir ce chapeau! Ah, Magic, c'est la magique tout ça. Attaque 29, défense 24, la musique est trop cool. Ce mercenaire magique ne dit que des mots magiques. S'il te plaît et merci! Le mot magique! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il te regarde avec des yeux étranges. Moi aussi je te regarde. Voir. L'orbe qui me poursuit. Il y a une orbe qui te poursuit. Elle a été affaiblie par ton regard. Ah oui, il y a une autre orbe là. S'il te plaît, merci. Ah! Ah, elle rebondit entre elles. Il chuchote une arcane. Vous ignorez Magic et pensez à du pollen et à des rayons de soleil. Votre défense est augmentée de 1. Tika tika. Oi! Ok, ça tire. Oh merde! Ok. Ok. Je vais regarder l'orbe corner. Vous intimidez la corner orbe. Elle a été affaiblie par votre regard. Abracadabra! Ah oui, d'accord, ça affaiblit pas du tout ses attaques, ça affaiblit juste... Ses orbes sont... ok. Ses orbes sont neutralisées. Ok, et le deuxième. Ah, c'était limite. Pourquoi il y a tellement de monstres ici? Je veux dire, ce n'est pas un problème, pas vrai? On doit juste continuer tout droit. Attention, on dirait que je ne peux pas continuer avant de toucher le truc. Mais ces lasers vont s'activer quand tu vas le faire. Hein? On dirait qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, orange, bleu. T'as compris? Bouge jusqu'au troisième. Ok. Ouh. Ok. Va bien te faire foutre. Oh mon dieu. Est-ce que tu vas bien? Je suis désolé. Je t'ai donné le mauvais ordre. Tout va bien, ok, d'accord. Continuons juste à droite. Ouais, t'as fait me baiser quand même. Un croisement, hein. Essaye d'aller à droite. Ok. J'ai peur. Attends, non. Je pense que tu devrais aller en haut. Fuck. Wow. Le chevalier vous bloque la route. Chevalier. Attaque 36, défense 36. Ce mercenaire de Megaton porte une massue étoile du... Enfin oui, étoile du matin là. Ferme les yeux. Oh la vache. Oh la vache. Il vous regarde silencieusement. Ah oui, c'est ses yeux là. Vous mangez la moitié d'un musique là. Bonne nuit, au revoir. Oh, t'as pas l'air de rigoler toi, hein. Ça sent la poussière d'étoile. Je vais chanter. Vous chantez une vieille berceuse.
Il continue de vous regarder de manière... assoupi. Adieu. Ah putain! Ah, c'est une femme! Je vais lui parler. Vous demandez à Night Night, vous lui demandez de parler de sa journée. Il n'y a aucune réponse. Bonne nuit. Ah, good night, j'avais pas vu. Oh! Ok. Adieu. J'aimerais survivre! Ok. Oh bordel. Qu'est-ce que je vais faire là? Peut-être que je dois l'endormir. Vous continuez de chanter. Il ferme ses yeux un petit peu. Adieu. Putain, la musique est trop cool. Hein. Oh non, meurs pas. Attends, est-ce que je peux l'achever? Putain. Comment change de page? Ok. Je suis concentré à mort. Ok. Chantons! Il s'endort. Il ronfle. Parfait. Ok, ça m'a pris plus de temps que prévu. 70 gold, parfait. Désolé, Je pensais que... Mais c'est où à droite maintenant? Ouais. Ok. Plus de laser. Ok. Je ne vais pas faire n'importe quoi cette fois. Juste les désactiver pour que tu puisses passer. Ils ne s'éteignent pas. Je ne peux pas les éteindre, tout va bien. J'ai ça sous contrôle. Je vais éteindre tout le secteur. Tu pourras passer. Ok, go. J'ai peur. Oh. Attends, stop. Ah. Le courant, il s'est remis tout seul. Désolé. C'était pas supposé arriver. Je vais encore l'éteindre. Quand je l'éteins, bouge un peu et après, arrête-toi, ok? Comme ça, tu ne seras pas blessé. Ok. Ok. Ouh. Ok. Tu vois, j'ai tout sous contrôle. Elle était juste avec un interrupteur en fait. Tout est sous contrôle, oui. Ok. Un point de sauvegarde. Ok. Tu devrais. Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas du tout à mon plan. Je suis désolé, je dois y aller. Ok. L'air est rempli d'odeur d'ozone. Ça vous remplit de détermination. Vas-y, gauche d'abord. Oh! Bah ça alors! C'est donc à ça que ça servait. Oh là là, le labyrinthe de ouf. Oh bordel. J'ai combien de tirs? 2. Non. Oh, c'est en ça que ça va être chiant. Merde. Ah merde. Je suis arrivé. Une seconde, je suis concentré une fois de plus, désolé. Ah la vache, j'ai chié. Ah voilà, c'est bon. Oui, il y a que 2 tirs, je suis trop con. Oh là là, mais oui. Félicitations. Mais bien sûr, il y a 2 tirs. Abruti mongol. Oh là là. Quoi?
Quoi? Oh là là. Ok. Je vais continuer tout à gauche d'abord, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, je suis tellement perdu. Donc ça, ok, je continue à gauche. Ok, c'est quoi? Il y a un Glamburger dans la poubelle. Vous voulez vous le prendre? Oui. Vous avez le Glamburger. Mais pourquoi ne pas se relaxer et avoir un bon snack? Ouais, ok. Ok, donc on va procéder méthodiquement. Je vais revenir au centre et je vais faire la droite cette fois. Ça me paraît être un bon plan. Eh, désolé, je dois vous couper ici, jeunes gens. Je suis bien sûr la version tignasse du montage, car René est en vacances, donc je dois m'occuper du sale boulot. Bref, tout ça pour vous dire, donc je suis désolé, je dois couper ici l'épisode, parce que c'est un épisode très long, je n'ai pas fait de pause, il y a un boss fight, je ne veux pas vous teaser, mais il y a un boss fight après. C'est très long, enfin bref, voilà, j'ai coupé ici. Ne m'en voulez pas, on se retrouve dans le prochain épisode, en tout cas, donc l'épisode 16. Pour l'instant, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, à la prochaine, donc dans le prochain épisode, et surtout, bonne soirée!